Et salut à tous, c'est Matroska, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une fois n'est pas coutume, nous allons faire un Haloculture. C'est un Haloculture sur le monde bouclier Requiem. Je sais, les plus fans d'entre vous diront qu'il est sorti il y a quelques années, mais a été supprimé pour quelques raisons de droits d'auteur avec des OST non autorisés. Bref, c'est l'occasion de le remettre au goût du jour, c'est parti. Requiem, ou monde bouclier 0001, fut le premier monde bouclier Forerunner. Il a été conçu comme une forteresse et était destiné aux didactes. Ce lieu servit également à protéger son cryptum pendant des centaines de milliers d'années. Requiem fut construit bien avant la guerre des humains contre les Forerunners. Ce tout premier monde forteresse servait de modèle pour les futurs mondes boucliers. Le didacte, il y a très longtemps, décida de se servir des humains protégés par la bibliothécaire sur l'installation Omega pour renforcer son armée de Prométhéens. Celle-ci, très mécontente, le poursuivit jusqu'au monde bouclier Requiem. Elle reçut l'aide de la lieutenante du didacte, appelée Volonté sans faille, pour neutraliser le didacte qui fut placé dans le cryptum de son vaisseau, le Mantle's Approach. Le monde bouclier fut placé sous le contrôle d'un programme de la bibliothécaire, laissant les Prométhéens défendre Requiem. Elle laissa également un message aux visiteurs futurs. Des milliers d'années plus tard, en 2553, c'est Julem Dama qui a appris l'existence de ce monde bouclier grâce à l'ingénieur enclin à dériver et également que le didacte y était enfermé. L'ingénieur ignorait lui-même l'emplacement du monde par sécurité. M'Dama était retenu en captivité sur le monde bouclier 006, sur lequel il put observer des symboles Forerunner. Après sa fuite, il put utiliser ses connaissances afin de découvrir l'emplacement de Requiem. En 2554, après avoir composé une nouvelle alliance Covenant, il se rendit à l'endroit supposé du monde. Il le trouva, mais il resta hermétiquement fermé. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 2557, lorsque la dérive du NSC Forward into Down s'approcha du monde bouclier, que celui-ci reconnut la présence d'un humain. Requiem activa son puits de gravité et attira John 117 et toute la flotte Covenant à l'intérieur. Cette intrusion réveilla les Prométhéens, qui s'en prirent indifféremment aux Covenant et aux Spartans. Suite à ces événements, un signal provenant du recomposeur trouvé par l'UNSC sur le Halo Gamma s'activa à destination de Requiem. Pour enquêter sur la destination de ce signal, c'est l'UNSC Infinity qui fut déployé, captant en même temps le signal de détresse émis par Cortana 4 ans plus tôt. Le Major, voulant avertir l'Infinity du danger, libéra le didacte de son cryptum accidentellement. L'Infinity s'écrasa finalement dans Requiem, attiré par le puits de gravité. Les forces de l'UNSC firent face aux Covenant et aux Prométhéens jusqu'à la destruction du puits de gravité, leur permettant de s'échapper du monde bouclier. John 117 resta sur Requiem pour arrêter le didacte, là où le capitaine Del Rio fit passer le sauvetage de l'Infinity en priorité. Finalement, il suivit le didacte vers la station Ivanov du Halo Gamma à bord du Mantle's Approach. L'humanité ne retourna sur Requiem qu'en 2558, 6 mois après les précédents événements pour y mener des expéditions scientifiques sous protection militaire. L'Infinity dut faire face aux forces Covenant et Prométhéennes restées sur le monde durant ces 6 mois. L'équipe Crimson découvrit un artefact Forerunner qui paralysa l'Infinity. Après une attaque Prométhéenne sur le vaisseau, l'artefact le bloqua sur Requiem via un champ de sous-espace. Le docteur Catherine Halsey entra en contact avec la bibliothécaire qui lui confia la clé de Janus et pour la prévenir de la destruction imminente du monde bouclier. M'Dama activa la destruction du monde qui l'attira vers son étoile, les équipes Majestic et Crimson se rendirent sur la planète afin de détruire les artefacts leur permettant de s'échapper. Le vaisseau s'échappa de justesse via le sous-espace juste avant l'explosion de Requiem. Certains Spartans restaient sceptiques quant à la destruction de Requiem. Sa conception de monde forteresse lui aurait peut-être permis de résister à la plongée dans son étoile. Et voilà pour ce Haloculture, c'était Matroski, on se retrouvera dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à donner des conseils pour les prochains Haloculture, comme toujours, et surtout les mots de la fin, vive Halo!